Moi, je m'appelle Ibrahima Ndiaye, connu surtout sous l'appellation Iba Ndiaye, Iba étant le diminutif de Ibrahima. Et je suis un homme politique, mais je suis plus issu de la société civile, et notamment dans le domaine du développement social. J'ai fait beaucoup en matière de développement social et c'est de là où j'ai commencé ma carrière professionnelle. J'étais enseignant au début, mais très vite, je me suis orienté vers les œuvres sociales, notamment la question des personnes handicapées. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Chemin faisant, et l'évolution sociopolitique du pays nous a amené chacun à nous intéresser à la politique. Et c'est ainsi que je fais partie, en tout cas, des acteurs des événements de mars 91. Et je dois dire que si on doit parler d'ADN, moi, mon ADN, c'est le mouvement démocratique. Et nous avons donné ce que nous pouvions. Nous avons connu des difficultés. Nous avons enregistré, pour ma part, c'est le partisan qui parle, beaucoup de réussites, mais aussi des revers. Et dans le contexte du Mali d'aujourd'hui, c'est bon de rappeler ces choses-là. Avant de faire quoi que ce soit, il faut reconnaître ce que nous avons pu faire de bon et ce qui ne nous a pas réussi. Et conscient de cela, demander pardon, mais repartir sur de nouvelles bases. Et tous les Maliens peuvent se retrouver là, mais autour de ce seul idéal. Et en ce moment, on peut travailler ensemble. L'inclusivité, j'ai mon point de vue là-dessus. Ça ne veut pas dire que tout le monde vienne au gâteau. Tout le monde vient, mais autour d'un programme. Et ce programme a un leader. On se retrouve tous dedans, dans cette phase extrêmement difficile, et faire des compromis, et tous ensemble, sur la base de programmes précis, nous allons donc mettre ensemble le temps de voir faire en tout cas les réformes qui sont annoncées. J'espère qu'elles le seront. J'espère également qu'elles vont atteindre le niveau de refondation qui est annoncé. J'ai vu, et je n'en ai pas parlé, je devais commencer par là, exprimer toutes mes condoléances à la famille de Ibrahim Boubacar Keïta, sa femme Ami, ses enfants, et son parti. C'est un événement douloureux. Et notre tradition, à l'occasion de tels événements, nous nous retrouvons pour prier pour le repos de l'âme de l'intéressé. Et ça, je pense que c'est nécessaire. Mais aujourd'hui, le Mali, rien que le Mali, et si on est sincère, on doit pouvoir se remettre en cause et puis donner la main aux autres pour aller de l'avant. Mais quand un parti lui-même se disloque, ce n'est pas un exemple pour pouvoir convaincre les autres pour venir voter pour vous. Alors c'est ce réalisme-là que je demande à l'ensemble des cadres, surtout ceux qui ont participé à ce congrès, parmi lesquels j'ai beaucoup d'amis, de gens que je respecte, j'estime. Voilà. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez en ces moments tragiques, à la fois pour notre parti, l'URD, et pour notre pays. Les deux sont intimement liés et je voudrais vous préciser que c'est à partir de ma maison que je m'exprime ainsi, compte tenu de mon état de santé, et qui fait que je ne suis pas présent, pas visible, et on m'entend peu. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas mon point de vue, même de mon lit, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'URD, je ne peux pas m'empêcher de penser au Mali. Votre question porte sur l'URD, le parti auquel j'appartiens et dont je suis le deuxième vice-président. C'est moi-même, compte tenu de mon état et que je ne suis pas audible, j'ai demandé à rencontrer aujourd'hui le président Salikou pour lui dire
que mon silence peut prêter à confusion et qu'il est important que je vienne le voir pour renouveler ma confiance et réaffirmer mes positions qui sont connues de tous pour le bien de l'URD, mais surtout pour le bien du pays. Je répète chaque fois que le parti est un instrument pour servir le pays et que le pays vient d'abord avant. Alors sur ce qui se passe dans l'URD, c'est regrettable, c'est dommage, et je pense à tout moment si on peut opiner pour pouvoir aider afin d'éviter certaines confusions. Et à mon avis, si c'est nécessaire, même si c'est de mon lit de mort, je donnerai mon avis. Ce qui se passe, notamment le dernier congrès, c'est l'illustration d'un problème que nous avons sur les bras depuis le décès, depuis l'enlèvement du président Soumaïla Cissé. Et nous sommes arrivés à un point pratiquement de rupture et il ne reste qu'un seul fil. Est-ce que c'est encore possible? J'ose le croire. Et je réaffirme cette position par rapport au professeur Salikou, qui n'a pas choisi d'être là. Dieu en a voulu ainsi, Soumaïla nous a quittés. Le président, par intérim, jusqu'à preuve du contraire, continue à diriger les affaires du pays. Certains ont un autre avis et ont donné beaucoup d'explications par rapport à leur posture, par rapport à leur position. Et mon avis, c'est qu'il faut continuer avec la direction sortie du dernier congrès. S'il doit y avoir changement, pour quelques raisons essentielles, je pense que nous devions raison garder. La première raison, c'est la situation du pays. C'est la situation du pays lorsque vous avez la chance d'avoir un président, le premier vice-président intérimaire, un homme que j'appelle tout le temps une autorité morale, parce que ça ne court pas les rues d'avoir un président de cette qualité. Homme convaincu, et je rappelle pour les auditeurs, pour les militants de l'URD, que lorsqu'on menait le combat contre la dictature, le parti unique, toutes nos réunions se tenaient dans la cour de Salikou. De ce jour à maintenant, vous avez plus entendu parler d'autres, moi compris, que de Salikou. Il ne demandait rien, il a été ministre une fois, et pourtant c'est un cadre émérite. Vous n'entendrez jamais parler de casserole à l'endroit de ce monsieur, et c'est ce que nous recherchons le plus. Les temps qui courent. Il n'est pas un homme parfait, il a ses insuffisances, il a certainement ses défauts, mais je pense que si je dois réaffirmer un avis, c'est mon soutien total à cet aîné, à cet homme émérite. C'est si important. Donc, mettre le problème de candidature en premier plan me paraît être une faute d'abord. Nous sommes absents du débat sur le Mali qui se cherche, qui vit une situation tragique. L'URD, aujourd'hui, est distrait par rapport à ces débats de clochers à l'interne. Et je pense que ce n'est pas le moment à cause du Mali. Et je pense que ceux qui ont fait ce choix déjà, jusqu'à se doter d'un nouveau président, ils sont, pour ma part, dans l'erreur, et je voudrais encore leur dire, essayez de vous ressaisir. Ils n'ont pas touché aux autres membres, et seul le bureau, la place laissée par Soumaïla, a été pourvue. Salikou est toujours vice-président, premier vice-président, Ibanja est toujours deuxième vice-président, et beaucoup d'autres vice-présidents qui ne sont pas d'accord et qui n'ont pas participé au congrès. S'ils ont fait ce choix, ça peut paraître élégant, chacun garde ce poste, mais qui peut accepter d'aller travailler dans un contexte comme ça lorsque vous avez un minimum de sens d'honneur et de dignité?
ceux à qui ils font appel aujourd'hui. Nous sommes 80%, les 20% venez nous rejoindre. Ces 20%, c'est le premier vice-président, c'est le deuxième vice-président, c'est d'autres vice-présidents, je n'entre pas dans les autres hauts cadres. Camarades de l'URD, comme on dit à Bambara, Adjingena Mabon. Donc je ne viens pas en casseur ou en insultant qui que ce soit. Si j'ai mes arguments, c'est ce que je veux faire prévaloir. Donc, à cause du Mali, essayons d'éviter donc d'aller plus loin que ça. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, on n'a pas agi pour l'efficacité. Un nouveau président qui a un ancien président par intérim, premier vice-président, un deuxième vice-président qui ne sont pas avec vous, comment vous allez gérer un tel bureau? Donc, ce n'est pas l'efficacité, c'est d'autres problèmes qui se trouvent à l'horizon. Je ne suis pas du tout pessimiste parce que nous sommes là pour le pays et j'espère que l'URD va sortir, grandir de cette épreuve. Et si ce n'est pas le cas, deux camps sont en face. On ne peut pas dire que l'autre camp n'est rien. Mais du temps de Soumaïla, et je rappelle, nous avons fait le constat et un choix. L'URD seul ne peut pas gagner. Nous aurons toujours besoin des autres. Et cette analyse a amené Soumaïla et beaucoup d'entre nous à faire le choix d'un directeur de cabinet d'un autre parti. C'est du jamais vu dans l'histoire politique de notre pays. Et c'était Tcheblen Drame qui a été choisi directeur de cabinet. Et tous les autres membres du parti ont accepté ce choix pourvu que d'autres viennent à nous. C'est ce constat que seul on ne peut pas gagner. Et si cette URD du temps de Soumaïla a fait ce constat et nous a amenés à faire des choix, aujourd'hui, si cette URD sans Soumaïla éclate encore, mais où est-ce que vous allez partir? Donc c'est le bon sens même que je défends là et pour dire aux gens, si vous ne faites pas attention, dans cette situation, nous serons un complément d'effectif parce que vous allez vous aligner derrière d'autres. L'avenir nous le dira et l'avenir, c'est dans quelques mois, dans quelques années. Je voudrais ajouter ma voix à tout ce que j'entends pour dire aux militants, ceux qui ont participé au congrès, qui ont fait ces choix, c'est un combat sans issue pour l'URD. Et on n'aide pas le Mali dans l'état où il se trouve. J'aurais souhaité que les problèmes cruciaux qui se posent au Mali fassent l'objet de nos débats, de nos efforts et de nos recherches. Voilà le sens que je donne à cette interview, et contraint et forcé, mais je pense que cela se doit, et honnêtement, à tous. Ceux de l'URD qui ont combattu pour que l'URD soit cette force, il y a d'abord les membres fondateurs. Ceux parmi lesquels je m'inscris, quand nous sommes venus, si nous n'avons pas contribué à renforcer ce parti, je pense qu'on ne serait pas là à dire que c'est la première force politique parce que les résultats que nous avons eus de l'opposition, en tout cas, montre la suffisance. Ça, je ne saurais le dire aujourd'hui. Nous sommes partis divisés. Ceux qui ont fait le choix d'aller au congrès extraordinaire ont décidé de porter M. Gwagnon Koulibaly à la tête de l'URD. Ceux qui ne sont pas partis, j'en suis un, pensent que ce congrès est nul. Et de nul effet. Mais l'URD ne s'appartient pas. Nous appartenons à un système, à un pays où il y a des lois, il y a des règles. Et je pense que la réaction normale du premier responsable de l'URD aujourd'hui, qui est pour nous Salikou, c'est de déposer plainte. Contraint et forcé, hein, parce que vraiment, ce n'est pas ce qui était souhaitable. Et maintenant, nous allons vers ce qu'on n'a pas souhaité, ce qu'on a voulu éviter devant les tribunaux. Ça va durer combien de temps? Qui va sortir vainqueur de ça?
Mais on ne peut pas accepter aussi l'inacceptable, et c'est au premier semblable, Salikou, et avec les autres camarades, de décider de cela. Je pense que cela me paraît être dans la logique des choses. Bon, je l'ai déjà abordé hein, en disant que ce congrès s'est tenu dans des conditions pour lesquelles il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de reproches, d'insuffisances. Et c'est sur la base de ça, certainement, qu'il y aura une plainte pour que ça soit apprécié. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'issue du verdict du tribunal, je crains que cela, pour ces élections à venir, n'affaiblisse ce parti et personne de nous n'accepterait cela, ou en tout cas n'assisterait, et si vous voulez, indifférent. Nous allons donc continuer et à nous battre. Il s'agit de la bataille pour la démocratie, la bataille pour le pays et à partir de chacun de nos partis politiques. Bien entendu, cela est lié à la question précédente et c'est sur ces violations-là que je pense qu'il y aura certainement une plainte et pour dire que ce congrès-là ne s'est pas tenu dans les règles de l'art, que ce congrès n'est pas valable et que l'URD revienne vraiment à ceux qui ont le souci de ses principes, de ses règles, malgré, et si vous voulez, l'élasticité du droit. Et je pense qu'il y a des fondamentaux qui sont là, qui me portent à croire que nous pouvons, en tout cas, et annuler ce congrès extraordinaire. Et si ce n'était pas le cas, j'ai bien peur pour l'URD et j'ai bien peur pour la démocratie au Mali. Mais nous resterons des militants hein, pour la cause du pays, pour la cause, en tout cas, du bonheur des Maliennes et des Maliens. Ça, c'est un choix que nous avons fait pour notre vie et ce combat-là, nous le mènerons jusqu'au bout. Mais c'est de remercier ces militants de première heure, ces cadres, ces militants qui sont venus après pour porter à un tel niveau. Au moment après le décès de Soumaïla, tout le monde était inquiet. Mais je vous assure, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que le temps passait, que le travail accompli a été tellement efficace que c'est au moment où on pensait que les gens allaient quitter l'URD qu'on a assisté à l'arrivée de grosses pointures dans l'URD. Je vais citer d'abord Boubou Cissé, dont l'adhésion fait couler beaucoup d'encre. Et quel que soit le jugement que vous pouvez porter sur lui, s'il fait le choix de l'URD, c'est un choix libre et c'est ça la démocratie. De là à venir être le candidat de l'URD, ça, c'est un autre débat. Mais son arrivée, j'ai dit, c'est comme la bourse, hein. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, premier ministre de Ibiga jusqu'à sa chute, qui fait le choix du parti, principal parti d'opposition, ça veut dire beaucoup. Ce n'est pas facile pour lui-même, mais pour l'URD aussi, ça pose d'énormes problèmes. Vous avez Mamadou Igor Diarra. Ce n'est pas un inconnu, c'est de hautes personnalités et qui, aujourd'hui, se font faire connaître sur l'échiquier politique. Ils ont pris la carte de l'URD. Vous avez Ahmed Sow, ce ne sont pas des inconnus, ils ont participé à beaucoup de gouvernements et aujourd'hui, ils ont manifesté beaucoup d'intérêt pour l'URD. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres qui sont venus sans beaucoup, beaucoup de bruit et des cadres qui sont venus individuellement, parmi lesquels vous avez des opérateurs économiques, vous avez des personnes de la société civile. Vous avez des gens connus dans le monde syndical et nous avons enrichi toutes ces personnalités. Alors, mais comment gérer tout cela? Mais ça montre qu'il y a eu un travail extraordinaire, mais on n'arrive pas à gérer donc les conséquences de ces multiples adhésions, parce que souvent, derrière ces choix, il y a des intérêts. Mais ça, c'est légitime.
qu'il y ait ces intérêts, déjà, nous pouvons expliquer que c'est une confiance à la force de l'URD. Parce que si vous voulez être président de la République, vous pouvez aller ailleurs, mais vous faites le choix de l'URD. Ceci ne peut pas être des ennemis pour l'URD. J'ai dit, c'est notre capacité à gérer ces nouvelles donnes qui est en cause. Et il faudrait que jusqu'à présent, nous disions à chacun d'eux qui ont fait le choix de venir prendre la carte de l'URD, qui sont chez eux, il ne faut pas des ennemis, mais un combat, un parti politique, c'est toujours un combat d'idées. Les avis peuvent diverger, mais il ne peut pas être des ennemis de l'URD. Et nous devons, et c'était ça mon rêve, j'ai dit, je n'ai pas de candidat. Mais si l'URD arrive à se mettre d'accord sur un candidat, naturellement, ce candidat s'impose à nous tous. Dans la division, vraiment, je suis très malheureux. Très malheureux et très malheureux. Merci.